Retour à la tour. Il est temps de mettre fin au règne du Lord Régent. Si vous réussissez, Émilie pourra être sacrée impératrice. Vous devez retourner à Dunwall Tower et vous infiltrer dans l'endroit où vous serviez autrefois en tant que protecteur. Le Lord Régent, de plus en plus paranoïaque, a fait renforcer la sécurité au fil des mois et possède une pièce sécurisée et lourdement défendue dans laquelle il pourra se réfugier si vous déclenchez l'une des alarmes. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ilia Cordata et nous nous retrouvons pour un épisode de Dishonored. La dernière fois, donc, on avait fait une première partie de la Dunwall Tower. Enfin, on était... on y accédait. Et maintenant, nous allons rentrer dedans. Nous devons tuer le Lord Régent, c'est un peu pour ça qu'on est là, et trouver la station émettrice. C'est quoi ceci? Il n'y a pas de notes supplémentaires. La station émettrice dans la tour. Bon. Alors, voyons voir au niveau des runes et charmes d'os. Les runes, c'est optionnel. Rune 40 mètres? Peut-être là-haut. Alors. Ah, la station émettrice est juste là. Mètres. Ah, donc le charme est dedans. Eh ben, c'est du joli, ça. Par où je passe, au juste? Bon, on va aller du côté de la station émettrice. Déjà. On ne peut pas passer là, de toute façon. Comme... Ah. Il va falloir que je pique une clé quelque part. Il n'y a pas d'endroit pour se planquer ici. C'est vraiment... vraiment tout vide. On va aller voir de l'autre côté. S'il y a peut-être quelque chose. Je lance ça vraiment direct après. Enfin, directement après la sauvegarde, donc pas d'essai préalable, quoi que ce soit. Ok, là il y a un genre. Aussi, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Un élixir de santé, mais je suis déjà full. Il n'y a rien ici. Je le tente. Hop. Là, la clé de la station émettrice, non. Dommage. Bon. Au moins, il est hors d'état de nuire. Alors, ici. Nous, on n'a pas grand-chose, hein. On a un portail foudroyant ici. Ah non, le portail foudroyant il est là. L'alarme elle est reliée à ceci. Ah! Il y a une vibration dans ma manette. Je sais pas ce que c'était. Il est tout seul lui là? En plus je suis en pleine lumière. Voilà, je ne sais que faire. Bon, ici je vais par là. Ah, c'est pour aller à l'extérieur.
Pardonnez-moi, monsieur, mais il vaudrait mieux que vous restiez dans la salle sécurité. J'ai besoin du confort de mon lit ce soir. Vos hommes et vous pouvez assurer la sécurité de la tour. Doublez la garde si ça vous change. Passez me voir avant d'avoir fini vos rounds. Qui aurait la clé? Me planquer là derrière, ça m'embêterait. J'ai entendu un clac clac. Je suis obligée de passer par eux. Ça. Je peux pas passer par là. Y a pas une petite corniche là? Allez, si. Allez, allez. Non. Hop là. Encore un peu malade. Le tente. Oh non, je peux pas. C'est pas juste. Il y a carrément une corniche là. Il y a clairement une corniche. Sapristi. Intéressant. Je ferais bien de fermer la porte. Voilà. On va bouger ça. Bon. Ah, non, j'allais dire. Pourquoi pas. Alors. Ah, oh, il faut encore une clé. Bah, ça sert à rien que je sois ici, en fait, alors. Je suis vraiment obligée... Bah non, il regarde pas par ici. Là, je peux pas aller passer par derrière et le prendre. Je peux pas l'étouffer? Il a même pas la clé en plus. Je suis morte. Mince. On ne voit pas comment est-ce que je suis censée faire. Tous les étages sont sécurisés. En dessous, on sort. Je vais descendre. Là, il y a une porte. Pardonnez-moi, monsieur, mais il vaudrait mieux que vous restiez dans la salle. Mais c'est toutes les portes, hein. Ça, c'est sûrement vers la sortie aussi. En vrai, c'est sûrement un KGB à la noix. Cette zone est déclenchée l'alarme en cas de problème. C'est lui l'ordre agent? Non, c'est pas lui. Il ne semble pas du tout. Il faut encore une clé. Il faut des clés partout ici. Voilà, bas, c'est une clé. Ah, l'autre me voit pas, c'est bon. Je vais planquer derrière les rideaux. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé, le bâtard. Le balourd. Je me demande s'il faut les clés de la cuisine. Oups. Non. Y a plus personne ici? Ah, si. Et là-haut, il n'y a pas moyen de passer. Ah, quoique. Ah, si, y a moyen. Ah!
Alarme! Partout! Donc je peux passer, mais je vais d'abord aller au... Enfin, j'aimerais d'abord aller à la station émettrice. Est-ce qu'il y a moyen d'y aller par le plafond aussi, à la station émettrice? Je dirais pas. Hein. Je suis venu ici pour rien. Bon, bah... En vrai, notre mission, c'est de l'ordre régent. Si on est discret, discret, ça va passer. Alors, allons-y. Peut-être que... En allant par là-bas. On a un là. Oh, on a un autre là. Ce serait... Oui, ici. Oh, on voit. Oh. Y a-t-il un petit passage quelque part? J'avance vraiment au pif, hein. Je sais pas où je vais. C'est vrai qu'il y avait des histoires de ruines aussi. Ah, 18 mètres là. 12 mètres, ouais, là il y a l'étage. Là un petit 18 mètres, il n'y a pas une... Une sortie quelque part. Oh. D'où viennent alors ces 12 mètres? Ça provient sûrement des salles du tourmenteur. Un vrai monstre, celui-là. Restez à l'écart. C'est ce que tout le monde fait. Me sens bien que c'est la dernière, hein. Alors ici, à mon avis, je ne peux pas y arriver, je peux trouver grand-chose. Quartier du tourmenteur. Ah, ben si, du coup, j'ai trouvé quelque chose. Mais Ah, c'était quoi ça? Pourquoi mes carreaux fonctionnent pas sur lui? Mais... Bon, enfin! Mais meurs, s'il te plaît! Tu veux pas mourir? Les carreaux! Oh, c'est... C'est... Ça fait froid dans le dos. Ah, il mutilait un corps. Mais du coup, j'ai tué quelqu'un. Ah, ça ne va pas. Il n'y a pas moyen que je le... Mais ce qui m'étonne, c'est que mes carreaux anesthésiants n'ont pas fonctionné. Il est impossible de juste le neutraliser. Ah ben voilà. Rien d'intéressant. Oh, tout ça pour ça. Te voilà, Corvo, entre les hauts murs de la forteresse ennemie. Comme tu as fière allure, partant ainsi affronter le Lord Régent. Comment mettras-tu fin à son règne, par le sang ou la vérité? Ce n'est pas chose facile de l'approcher, si seulement l'impératrice avait été aussi bien protégée. Cherches-tu seulement la vengeance, ou bien as-tu une autre idée en tête? Vas-tu faire en sorte de couronner une nouvelle impératrice, ou précipiteras-tu tout le monde dans le grand vide? En tout cas,
Je compte sur du spectacle. Est-ce que ces moments sont censés nous faire nous interroger sur le bien fondé de nos actions et tout ça, ce genre de choses? En tout cas, enfin, visiblement en tout cas, il a l'air de dire que épargner le Lord Régent, c'est possible. Juste une pièce. Gentil. Ça brille, ça. Personne ne peut franchir le périmètre. Bien, je me rends dans les quartiers du régent. Occupez-vous de sécuriser cette zone. Oui, mon général. Vas-y. Zut. Attendez, je regarde juste rapidement. Ah mince, dans les portails, c'est vraiment one shot. Ok. Ça aurait pu marcher. La pomme, la pièce. Ah. Salut, c'est bon. Sécuriser cette zone. Oui, mon général. Google. Hein? Mais pourquoi je peux pas? On va pas. Pourquoi je peux pas les assommer? Je comprends pas. Tant pis pour la pomme et la pièce de 5 cents, hein. Bon, ici, c'est quoi maintenant? C'est juste faire le tour. On éloigne tellement. Là, il y a un méga projo. Ah, j'avance pas beaucoup, hein, aujourd'hui. Il va vraiment falloir que je passe en force. Non, je veux pas croire une chose pareille. Oui, il y a quelqu'un là-bas. Oui, y a moi, mais rien ici, c'est nul. Super nul. Les de la salle de sécurité. Faut vraiment juste que je trouve le garde qui a la clé. Enfin, ici on peut passer. Où en fait? D'accord, je suis là derrière le portail du coup. J'adore me balader comme ça. Là, c'était quoi? Salut? Ah, c'est pour un bouquin! C'est pour ça, c'est tout! C'est nul! Ah oui, du coup, là, l'alarme, elle est... Elle est sonnée, hein. Ça, je le prends. Ah non, par là. C'est le balcon. C'est vraiment juste des tests que je fais là. Hein.
Ow. That hurts. Ah, t'es pas encore au courant, toi. Comme je passe. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, cette partie n'est pas très... Bon. Ce que je vais faire, c'est trouver un moyen de passer et puis, bah... Vous commencerez, quoi. J'ai posté des hommes aux entrées près de la salle sécurisée du toit. Personne ne peut franchir le périmètre. Bien, je me rends dans les quartiers du régent. Occupez-vous de sécurisation. Ici, là, je peux. Comment ça se fait qu'avant, je pouvais pas? Hein? Putain. J'ai cru qu'il a dépassé, mais non. Bon. Je vais au moins aller jusqu'à la station électrice. Allez, quoi? J'ai posté des hommes aux entrées près de la salle sécurisée du toit. Personne ne peut franchir le périmètre. Bien, je me rends dans les quartiers du régent. Occupez-vous de sécuriser cette... Il se tourne. Il se tourne vers ici. Il bouge. Très bien. C'est le général Tobias. Inquiétude concernant l'interrogateur royal. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Ouais. Quoi? C'est quoi ça? Je dois le tuer? Mais du coup, c'était par rapport à quelle note? C'est lui qui m'a torturé. Ah, ah mais je... Bon bah du coup... Vas-y quoi. Non mince. On va tuer le tourmenteur. Ok. Bon, je peux savoir s'il est mort. Ça, ça veut dire qu'il est mort. On va retourner là-haut. J'ai posté des hommes aux entrées près de la salle sécurisée du toit. Personne ne peut franchir le périmètre. Là. On va attendre ici un peu plus loin. Ah mince! Il revient le mec. Bouger? Non, pas encore. Et là? Ah oui, il est parti. On passe doucement là. Voilà. Voilà, quartier du général Tobias. Alors, je me contrat de vous contacter de nouveau. S'introduire dans la caserne pendant la nuit. Ok, il est chelou. Là. Il est chelou. Et du coup, bah, on a tué le tourmenteur. C'est bon. C'est fait. Voilà. Je crois que c'est un mal pour un bien, hein. On va attendre qu'il passe. J'espère qu'il va repartir par là-bas.
Voilà. Ah, mince. Ah, ah, vite, vite. Ah, il y a un chien. Ah mince! Je croyais qu'il y avait moyen, mais non. Alors, de ce côté-là, on a lui. De ce côté-là, lui, il a disparu de mon champ de vision. Non, 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 vite, 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 vite! Planque-toi! Il y a moyen de sauter là sur la bibliothèque. Ah, cartouche explosive, mais on s'en fout. Là, il y a un mec. Ah, en fait, on peut attendre comme ça. Ça consomme pas de magie. Nice. C'est ça. On y va maintenant. On monte là-haut. Il ne verrait pas d'ici. Attention, la maîtrise est toute proche. On ne voit pas. Ok. Ah! Non, c'est cette machine! Blablabla. Bla, bla. Ça se trouve, c'est des infos super importantes, mais... Oh, comment je dois faire pour la désactiver? Je passe en force? Oups. Il va anticiper le coup. Ah. Ok. Allez, vas-y. On a des potions. Les élixirs de Sokolov. Pitié, ne me faites pas de mal. Vous êtes ici pour tuer le régent, n'est-ce pas? Épargnez-moi et je vous aiderai à l'abattre. Il s'enregistre sur un audiographe tous ses secrets, dont certains extrêmement compromettants. Cet amplificateur-là permettrait de diffuser ses confessions dans toute la ville. Ça serait sa fin. La carte d'audiographe se trouve dans un coffre de la chambre du Lord Régent. Mais j'ai pu apercevoir le code en lorgnant par-dessus son épaule. 935. Croyez-moi, ce qu'il y a sur cette carte devrait largement suffire. Bonne chance. Donc ce qu'on peut faire, c'est... ruiner la réputation du Lord Régent. Dans un... Oh, chouette! Ah, c'est cool qu'on puisse y aller à ce point-là. Bon, aujourd'hui, ça n'aura pas été... Il n'y aura pas eu grand-chose, mais on aura au moins trouvé le moyen non létal de remettre Emily sur le trône, ce qui est une solution qui me plaît. Alors... Eh bien, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et je vous dis à la prochaine pour découvrir le fin mot de cette histoire. Enfin, je ne sais pas si le fin mot va arriver tout de suite, peut-être, mais peut-être dans deux vidéos. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fin n'est pas loin. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine. Des bisous!